Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour une nouvelle vidéo rétro. Merci d'être de plus en plus fidèles, ça fait super plaisir. Il commence à y avoir des petits fans. Voilà, ça me fait bien plaisir de réussir à vous faire partager bien ma passion pour les vieux jeux, hein, pour le rétro gaming. Vous êtes aussi de plus en plus nombreux à rejoindre les groupes sur Facebook, hein, le groupe rétro et le groupe de vente rétro, donc je vous remercie. Donc aujourd'hui je vais vous parler d'un jeu phare de la PlayStation qui a longtemps été une référence et qui l'est encore, car des jeux sortent encore à ce nom là, hein. Le GTA V est en développement, il sort bientôt là, donc vraiment un gros hit quoi. Donc là on est donc sur Grand Theft Auto sur PlayStation, sorti en 99 en version Europe. Il est sorti un petit peu auparavant sur Windows et en version américaine, hein. Nous on l'a eu en 99 sur PlayStation. Là on arrive dans un menu de sélection de gangsters, j'ai envie de dire, de sales types bien méchants. C'est juste pour le fun, hein. C'est juste l'avatar qui change et la gueule du mec dans le jeu, ça n'apporte rien de spécial. Celui-là peu importe. Allez, on y va. Je vais vous faire voir un petit peu en live ce que ça donne. Va au téléphone de South Park pour obtenir une mission. On a du boulot pour toi, mais si tu foires, t'es mort. Ah ouais, carrément. Ça me met tout de suite dans le bain. Donc, on est Travis. Mon petit mec, là, toc, que je déplace. On voit une flèche jaune qui nous indique eh bien notre objectif et là où on doit se rendre. On peut s'y rendre à pied ou on peut voler des véhicules, des bagnoles, des motos, des camions, etc. On va prendre une voiture. Pour commencer, ça va déjà être pas mal. Au fur et à mesure de mon déplacement, cette flèche va se déplacer afin de m'indiquer mon chemin. Je vais essayer de ne pas avoir trop d'accidents sans les flics qui vont me faire chier. Parce que ce jeu-là, c'est une véritable guerre contre les flics. Évidemment, on est des gangsters, donc on n'aime pas trop les flics. Donc, me voilà au téléphone. On va répondre à un téléphone. Les Hells Angels ont buté un de nos dealers et piqué la drogue. Bobby veut la récupérer. J'imagine qu'il veut la récupérer. Ça, c'est clair. On va reprendre une voiture. Attendez, je vais vous faire voir une caisse là. Si j'y arrive. Donc, les caisses là-dedans, il y a des armes et diverses choses pour vous permettre d'avoir une progression plus simple dans le jeu. Des clés, des choses comme ça. Donc, là, je mets un coup de poing dedans. Tac, pistolet. J'ai récupéré un pistolet avec 99 balles. Donc, je peux évidemment tirer avec ce pistolet là. Je peux buter tout le monde. C'est surtout pour les flics en fait, hein. Mais je peux aussi tuer des passants si j'ai envie, je suis des civils sans problème. Alors pour une petite histoire quand même, je vous le dis pendant que j'y pense. J'ai discuté avec des jeunes il n'y a pas si longtemps que ça. Et je leur demandais ce qu'ils en pensaient, s'ils avaient déjà joué à Grand Theft Auto. Et bah ils m'ont répondu, bah non, Grand Theft Auto, on connaît pas. Ah ouais? Ah bon. J'étais surpris quand même que des gamins ils connaissent pas Grand Theft Auto. Ah bon, ça peut arriver. Et puis, bon, je leur demande, mais vous avez joué à quoi ce week-end, les gars? Et là, ils me répondent, ben, on a joué à GTA. Alors là, vous imaginez la gueule que j'ai tirée. Ne pas savoir que Grand Theft Auto et GTA, c'est pareil. C'est quand même incroyable. Enfin, ça va, je suis encore jeune. Mon cœur, il tient la route. Mais il m'aurait sorti ça il y a 10 ans. Dans 10 ans, je pense que j'aurais fait un arrêt cardiaque. Donc voilà, les gars, déconnez pas avec ça. Renseignez-vous avant de dire des conneries et surtout renseignez-vous de ce qui se faisait avant les jeux vidéo. Ça n'a pas commencé à la PlayStation 2, hein. Les jeux vidéo, ça fait des années que ça existe et il y a eu des choses qui en ont engendré d'autres. On n'est pas arrivé à GTA 3 en claquant des doigts. Vous imaginez bien que s'il y a un GTA 3, il y a un 1 et un 2 et il faut se renseigner un minimum quand même, parce que vous pouvez soit faire crever quelqu'un d'une attaque, soit vous faire buter, hein, sans déconner. Vous tombez sur un fanatique
fanatique de Grand Theft Auto, et vous lui dites que vous connaissez GTA mais vous connaissez pas Grand Theft Auto, c'est un coup franchement. À se faire laminer. Voilà. Je ferme la parenthèse, hein, c'est juste pour vous raconter un petit peu des trucs conneries. Bon, je suis la flèche là, mais j'arrive pas à trouver où est-ce qu'il faut que j'aille. De l'autre côté de la rue. Oh, putain, c'est quoi ça ? Y a pas de carte, hein. Ça, c'est un peu chiant, hein. Il doit y avoir un pont quelque part. Là, non. Là, il y a une caisse, on va la prendre, pour soigner. Mitrailleuse, carrément. Ah, non, c'est... Alors, à la fin, vous avez le lance bazooka, etc. Donc, là, on voit les keufs devant moi, là. J'essaie pas trop de les emmerder. Par là, c'est bien quoi. Je suis allé déjà par là. Allez. La maniabilité est vraiment chier. Je veux vraiment être habitué pour vraiment bien jouer. J'ai le droit d'aller par là. Non, ça va le faire quand même. Ah putain, non. Ah putain, c'est pas possible. Désolé, hein. C'est du live, hein. Putain, c'est pas possible. Ah, mais j'en reviens, là. Il y a une caisse aussi, là. Je vais voir ce qu'il y a dans la caisse. Corruption police. Bon, il y a plein de trucs comme ça à débloquer. Bon, ça fait chier là, franchement ça fait chier. Donc là je... Qu'est-ce que c'est ? Par là je peux pas passer. Où je vais passer ? Je pense que je vais être obligé de faire tout le grand tour. Hein. De toute façon je vais pas non plus vous montrer tout le jeu, je vous montre une ou deux. Nous deux missions hein, pour vous montrer un peu le principe du jeu. Le principe est toujours le même après. Vous êtes à un endroit. Vous partez d'un endroit A, vous êtes à un endroit B, vous butez un type C et vous gagnez une récompense. C'est comme tous les GTA à venir. Hein. Bon, par contre, je peux pas. Sauf que celui-ci c'est le premier. Et quand même. Ça mérite d'être connu quand même. Faut quand même pas déconner. C'est du foutage de gueule. Je peux toujours pas y aller. On entend plus loin. On n'a pas de vue de loin. On n'a pas de vue de loin, on n'a pas de... On n'a pas de carte. C'est franchement... Casse-couille. De toute façon, c'est ce qu'on peut reprocher à ce jeu-là, hein. C'est vraiment... C'est vraiment pas cool. Les missions, c'est juste à côté, donc finalement, ça se passe assez bien. Putain, puis là, je suis pas concentré, je vous cause. Je fais des conneries. Ouais bah écoutez, hein, je vais pas non plus passer une heure à trouver le pour qui du pourquoi. Carte sortie de prison. Ouais, je suis équipé là, hein. Oh là là. Déclarer la guerre, hein. C'est d'ailleurs ce que je vais faire. Je vais faire voir un petit peu le but premier de ce jeu-là. Bon, le but premier de ce jeu-là, c'est évidemment respecter les missions, machin. Bon, alors, Grand Theft Auto, ça veut dire... Bon, si on traduit quasiment mot pour mot, ça voudrait dire vol de voiture important, vol de voiture impressionnant. Donc là, voilà, ailleurs, il y a pas mal de véhicules à voler pour se déplacer, ça pourrait correspondre. Les derniers GTA, ça n'a plus rien à voir. Franchement, on vole quasiment pas de voiture. Donc ça, voilà, le nom a bien vieilli, le jeu reste. Aussi bon quand on aime le genre. Dégage toi, calme-toi.
Et donc je disais, voilà, le but de GTA c'est aussi de... Ah, je dois pas être loin là. Ah, c'est là. Putain, bordel. C'est de pouvoir buter tout le monde, faire des grosses émeutes de flics et buter tout le monde, c'est vraiment un bon défouloir. Et je vais vous faire voir ça. Putain, le mec, paf! Je vais tirer dessus là. La misère. La drogue est dans le réservoir de la moto, ramène la bécane à Diego, à nord-est, machin, je sais pas quoi, ouais. Sans que je me casse la gueule, parce qu'en moto c'est pas facile. Je vais vous faire cette mission là. Si j'y arrive. Je peux passer par là? Ouais. Yes. Puis après on va buter du flic. Je suis sûr que vous attendez que ça, que je bute du flic. Ah putain, je me suis scratché. Bon, on prend une bagnole, hein, c'est pas grave. Hein. Allez. Ah bah non, je peux pas, c'est dans la moto, merde. Ah non, je peux pas. Elle est pas morte, j'espère. Yes. Ah oui, c'est là, super. Allez. Ça a marché, là? Yes. North Fort Low. Putain, c'est les couilles. Avec moi, t'es un pote. Bon, enfin bon, je vais pas vous faire tout vous faire voir. Vous avez vu un peu le système. On va se faire un peu plaisir maintenant. On va essayer de faire le maximum de dégâts. Ah oh, bah d'accord. Bon, bah je me suis fait péter la ruche. Ça a été plus rapide que prévu. J'aimerais bien retrouver un flingue là quand même, que je fasse voir les flics. Faudrait que je bute du monde. Finalement, les gens, il y a des gens qui kiffent GTA et qui ont eu GTA depuis les tout premiers, hein, et qui n'ont jamais fait l'émission. Leur but, c'est de trouver les meilleures armes, de buter tout le monde et de faire des émeutes de flics. Il y en a qui jouent qu'à ça, en fait. Donc là, on aperçoit en haut un petit icône pour un flic. C'est-à-dire que je suis en recherche une, en fait. J'ai essayé de pas me faire niquer tout de suite, j'ai essayé de vous faire voir... Mission échouée, ça je le sais, c'est pas grave. Ah, deuxième recherche. Bon, pour viser, c'est pas simple non plus. Tiens, lève-la les flics. Tiens, dégage. Quatre recherches. Bon, à la fin, il y a les hélicoptères et tout. Hein. Enfin, c'est un truc de ouf. Hein. Quoique, peut-être des conneries. Dans celui-là, je pense pas qu'il y ait des hélicoptères. C'est le premier quand même. Je sais plus quel est le stade maximum. Dans le 2, je sais qu'il y a les tanks, ça c'est sûr. Dans celui-ci, je sais plus. Je préfère pas vous dire de conneries. Mais de toute façon, on va voir ça ensemble. Tiens, crève toi. Alors c'est quand même vachement violent. Les gamins, ils jouent à ça de plus en plus tôt. C'est quand même vachement violent. Pétez ça. Ah putain, ils m'ont shooté. Ah, je l'ai shooté quand même. Donc voilà. Écoutez, je vous en montre pas plus. Voilà à quoi ressemble Grand Theft Auto alias GTA. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ça me ferait plaisir. Un petit commentaire, un petit j'aime. Voilà, ça fait toujours plaisir, ça vous prend 30 secondes. Je vous dis à bientôt. Ciao !